Colmar, ville d'art et d'histoire, au charme éblouissant et son célèbre marché de Noël. Tiens, un ange. Toutes les blondes ne sont pas des anges, ni la mère, ni la fille. Toutes les blondes ne sont pas des anges. Je suis pas d'accord. Non, les blondes sont des anges. C'est une idée faussement reçue. Même vous, vous êtes un ange. Oui, tout à fait. De très jolies blondes dans cette région. Nous voici au Salon du Livre de Colmar. Beaucoup de lectrices, très joyeuses, pleines d'humour. Des mères et leurs filles, des jeunes femmes, des pères attentifs et très souriants, et des couples. Bernard Freudenreich, notre accueillant libraire, entouré de collaboratrices et collaborateurs particulièrement efficaces et chaleureux. Les auteurs du Rocher, Marc Menant, Bob Garcia, Abla Ababou qui bavarde avec Laurent, l'assistant de Gilles Paris. Une ravissante petite fille blonde, est-ce un ange? Trois ravissantes petites filles. Toutes les rousses ne sont pas des sorcières, les brunes non plus. Votre copine est un ange. Sont-elles des anges? Toutes les blondes ne sont pas des anges. Je suis un ange. Parfois un démon. Souvent un ange. Est-ce que vous êtes un ange? Ou démon à la fois, ça dépend des moments. Par moment, il y a quand même le côté démon qui ressort. Donc vous êtes un ange ou un démon? Je sais pas. Les deux. Faut piquer les sous de votre mari. C'est ce que je fais. Joyeux Noël et bonne année 2009!